Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, et nous sommes reconnaissants pour la grâce que nous avons d'être ici, en ce lieu, ce matin. Nous sommes reconnaissants pour la vie, la santé, la force, la possibilité et la capacité d'être ici. Nous te remercions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous ouvrons nos cœurs pour t'écouter, pour recevoir ta parole, pour connaître, comprendre ta volonté. Et y entrer par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Affichez, s'il vous plaît. Le mois d'avril, voici le thème du mois. Apprenons à régner dans cette vie par la grâce de Dieu. Dis à ton frère, apprends à régner dans cette vie par la grâce de Dieu. Deuxième image, celui qui est justifié en Christ et qui a accepté sa justification peut régner dans cette vie par l'abondance de la grâce. Amen. Amen. C'est notre papa qui, par le Saint-Esprit, a déclaré que le mois d'avril est le mois de l'apprentissage, n'est-ce pas? Du règne dans cette vie par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes des centaines de milliers sur la terre à aborder le mois d'avril sous ce thème. Amen. Et nous allons voir ce que Dieu va faire et tout ce qu'il va nous dire. Ainsi donc, mon thème est très simple. Nous parlons ce matin de l'apprentissage du règne par la grâce. L'apprentissage du règne par la grâce. L'apprentissage du règne par la grâce. Ok? Ça vient tout simplement du thème du mois, n'est-ce pas? Et un titre doit être, ne doit pas être un paragraphe. C'est pour ça que je fais ça un peu plus court. Mais en réalité, nous allons apprendre pas simplement à régner, mais à régner dans cette vie. Et pas simplement par la grâce, mais la grâce de Dieu. Parce qu'il existe d'autres grâces, n'est-ce pas? Mais il est question de la grâce de Dieu. Il existe la grâce présidentielle, la grâce royale, et même la tienne aussi. Tu peux faire grâce à quelqu'un, n'est-ce pas? Qui a déjà fait grâce à quelqu'un une fois? Je veux voir si vous êtes bon. Mais nous ne parlons pas de ça, nous parlons de la grâce de Dieu, ok? Et nous ne parlons pas de tous les règnes, nous parlons de régner dans cette vie. Jean chapitre 1, versets 16 à 17. Jean 1, 16 à 17, c'est un passage qui nous est familier, n'est-ce pas, dans cette vision. Et nous avons reçu de la plénitude de celui qui est la parole, du Seigneur Jésus-Christ, de sa plénitude, nous avons reçu quoi? Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ.
Romains chapitre 5. Le thème du mois se trouve dans le verset 17. Mais nous allons commencer la lecture dans le verset 12. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Le péché est entré, et avec lui, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné. Au début, le péché est entré en introduisant avec lui la mort. Et finalement, la mort qui est entrée à travers le péché va maintenant régner. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Qui est venu après Moïse? Josué, n'est-ce pas? Est-ce à dire qu'à partir de Josué, la mort a cessé de régner? Ce n'est pas de ça qu'il parle. Moïse ici symbolise la loi. Ok? N'oublions pas Jean 1, 17. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Il y a la grâce de Dieu et le don, n'est-ce pas, de cette grâce. Venant de qui? De Jésus-Christ. Un seul homme, Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Il n'en est pas du don comme de ce qui est entré, ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par qui? Par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans cette vie par Jésus-Christ, lui seul? Dans le verset 17, il y a deux règnes, n'est-ce pas? Regardez-le attentivement, il y a deux règnes. Lequel? Le premier règne est le règne de? Et le deuxième règne est le règne de? Votre cerveau vous pousse à dire le règne de la vie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, je recommence. Comme c'est un message fondamental, comme d'habitude, nous allons parler calmement pour poser des fondations. Et une fois que les vérités seront bien posées dans nos vies, durant ce mois, il y aura des temps de prédication. Jésus a enseigné et prêché. D'accord? La prédication repose sur l'enseignement. Ne soyez pas impatients de parvenir à la prédication parce que sans enseignement, la prédication ne peut pas porter les fruits qui demeurent. Vous comprenez ça? Voilà, c'est très important. Très important. Cette maison que nous voyons, elle tient parce qu'il y a là des fondations que nous ne voyons pas. L'enseignement est la fondation de la prédication et de la démonstration. Dans la suite. Alléluia. Hier, j'ai reçu encore un témoignage d'une famille qui a été puissamment visitée durant la profondeur, après la profondeur. Parce que Dieu est à l'œuvre derrière sa parole. Alléluia.
Donc c'est un dimanche d'enseignement pour poser cette fondation. Sinon, ça ne sert à rien. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous nous excitions avec. Vous savez, le monde ne respecte pas les chrétiens et les évangéliques. Pourquoi? Parce qu'on nous taxe d'être des excités, des illuminés. On fait beaucoup de bruit, mais on ne produit pas assez de preuves. Ça va changer. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Alléluia. Alors, regardons le verset 17. Il y a deux règnes dans ce verset. Et il y en a d'autres dans le chapitre 5, mais nous y arriverons. Dans le verset 17, il y a deux règnes. Le premier est lequel? Le règne de la mort. Le règne de la mort. Et le second est le règne? Ah, ah, bravo à vous. Il y a le règne de certaines personnes. N'est-ce pas? Lesquelles? L'abondance de la grâce et du don de la justice. Cela veut dire que conformément à ce verset, dans cette vie, soit tu règnes, soit c'est la mort qui règne. Vous savez ça? Le monde nous donne l'impression que quelqu'un règne. Ok? Que quelqu'un d'autre règne. Mais ce n'est qu'une impression. C'est une illusion. Soit c'est la mort qui règne, soit c'est celui qui a reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice qui règne. Vous comprenez ça? Et on ne parle pas de ceux qui ont cru en Jésus. N'est-ce pas? Non. Croire en Jésus est une chose. Régner dans cette vie est une autre chose. Évidemment, croire en Jésus est la base. N'est-ce pas? Mais tous les chrétiens n'entrent pas dans leur règne. Vous m'entendez? Ils n'y entrent pas. Et ma prière est que tous ici, nous puissions entrer dans notre règne. Amen. Quel est le secret? Le secret, c'est de recevoir. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Recevoir, mes amis. Recevoir. Recevoir, tout simplement. Revenons dans le naturel. Si vous voyez quelqu'un régner quelque part, parlons dans le sens politique du terme, que Dieu bénisse sa majesté dans cette nation. Il est le roi de cette nation, pourquoi? Parce qu'il est le plus intelligent? Non. Parce qu'il est le plus riche? Non. Le plus fort? Non. Parce qu'il en a reçu. Il a reçu le règne par son père. N'est-ce pas? Dire qu'il est le roi de cette nation parce qu'il est né d'un père roi, c'est pas suffisant. Parce qu'il n'est pas le seul à être né de ce père-là. N'est-ce pas? Mais parmi tous ses enfants, l'ancien roi a choisi un de ses fils et il lui a donné le règne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a reçu. Savez-vous que dans l'histoire, il y a des rois qui ont abdiqué. Ils ont renoncé au règne qu'on leur avait donné. N'est-ce pas? Il y en a même, parce que nous qui sommes, qui suivons ces choses de l'extérieur, nous ne savons pas tout. Nous sommes au courant quand un roi a abdiqué, c'est-à-dire qu'il avait reçu le trône, mais il y a renoncé. Savez-vous qu'un roi peut appeler son fils et lui dire, « Papa, mon fils, c'est toi que j'ai choisi.
Et il peut dire à son père, non papa, pas moi, moi je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Donne-le à mon frère ou à ma soeur. Extérieurement, on ne saura jamais ce qui s'est passé dans le secret. On ne devient pas roi par élection. N'est-ce pas? C'est un don, c'est un cadeau. Parce qu'on le reçoit. Alléluia. Alors, parmi tous ceux qui ont cru en Jésus, la bonne nouvelle de ce mois, c'est que le Seigneur nous offre le règne. Qui va le recevoir? C'est très bien. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par la grâce de Dieu, j'ai produit ce que j'ai produit. N'est-ce pas? Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Tite 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, elle est comment? Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle nous enseigne à renoncer. Elle enseigne. La grâce de Dieu produit le salut. Elle est source de salut. Elle a été manifestée et elle enseigne. Alléluia. Elle enseigne. Voici des versets sur lesquels nous reviendrons abondamment durant ce mois. Mais notre message parle de l'apprentissage du règne. L'apprentissage du règne. Parce que régner est quelque chose qui s'apprend. Je suis touché par la manière dont papa aborde ce sujet. Et il n'est pas simplement en train de dire « Régnons !» C'est le mois de notre règne. Parce qu'il y a beaucoup de slogans dans l'Église. Pour nous, c'est le mois de l'apprentissage. Alléluia. Et ça, ça fait toute la différence. Le mot apprentissage fait toute la différence. C'est quoi un apprentissage? C'est un processus qui fait passer de l'ignorance à la connaissance. De l'incompétence à l'expertise. Vous m'entendez? L'apprentissage est un processus qui fait passer de l'ignorance à la connaissance. Pas que. Ça, c'est la dimension théorique. Et ensuite, de l'incompétence à l'expertise. Être roi ou bien régner, c'est pas quelque chose de théorique. Ça implique beaucoup de choses. L'apprentissage, c'est aussi le processus qui fait passer d'un niveau de résultat à un plus grand niveau de résultat. Pourquoi? Parce que l'apprentissage cherche d'abord les ignorants, ceux qui ne savent rien, n'est-ce pas? Elle les enseigne. Et quand ils comprennent l'enseignement, ils quittent et qu'ils commencent à mettre cela en pratique, ils quittent l'incompétence pour l'expertise. OK? Mais
Le piège, c'est que quand on commence à avoir des résultats, le piège, c'est de regarder en arrière. D'où on vient et ce qu'on est aujourd'hui. Et de dire, alléluia, je suis arrivé. Mais si on reste humble, d'accord? Nous nous rendrons compte que nous avons d'autres choses à apprendre pour augmenter notre niveau de résultat. Oui, papa dit « apprenons à régner ». Il dit « apprenons », donc il se met lui-même dedans. Du haut de plus de ses 70 ans de vie, plus de 40 ans de ministère, s'il y a quelqu'un qui règne dans la vie, en tout cas, lui, il en a donné l'épreuve, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui en doute? Tu as le droit d'en douter, mais vraiment, si tu en doutes, tu te trompes. Mais il continue de dire, apprenons. Parce qu'il sait qu'il peut faire encore mieux. Il peut vivre encore mieux. Si quelqu'un comme lui parle comme ça, et nous alors? Cela m'enseigne l'humilité. Vous savez, l'apprentissage exige de l'humilité. Pour bien apprendre, il faut être humble. D'accord? Il faut être humble. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Qui est le plus grand? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Entrer ici veut dire expérimenter. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de l'âge naturel, n'est-ce pas? Sinon, nous tous ici, nous sommes foutus. Le royaume des cieux est pour les enfants qui sont à... Comment s'appelle la salle? La salle. Savez-vous que là-bas, on peut trouver un orgueilleux et trouver un humble aussi. Les enfants peuvent être orgueilleux même du haut de leurs 2 ans. Donc, ce que le Seigneur recherche, c'est l'humilité. Pour expérimenter le royaume, il veut des cœurs qui sont humbles. Vous m'entendez? Et des cœurs qui restent humbles, parce qu'on peut être humble aujourd'hui et malheureusement ne plus l'être demain à cause des résultats. L'apprentissage est permanent. L'humilité doit être permanente. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Psaume 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Voilà la première exigence du Saint-Esprit pour nous durant ce mois. Soyons humbles pour apprendre à régner dans cette vie. Dis ça à ton frère, sois humble. Alléluia. Alors, commençons par l'apôtre Paul. Romains 5, c'est lui qui l'explique, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 15, c'est lui qui le dit. Tite 2, c'est lui qui l'explique.
En théologie, on appelle Paul l'apôtre de la grâce. C'est lui qui a révélé ce que Jésus était venu annoncer. La grâce et la vérité. Personne ne l'a expliqué comme Paul. Vous m'entendez? Comment a-t-il pu l'expliquer à ce point? C'est parce que personne ne l'a expérimenté comme lui. Ses écrits sont puissants à ce point parce que ce n'est pas des théories. Il parle des choses dont il a la révélation et l'expérience. Et ce mois, nous voulons avoir la révélation de ce règne et en avoir l'expérience. Parce que c'est la mode de l'église d'aujourd'hui. Fais attention, parce que tu es assis à côté d'un roi. Et tu règnes même sur quoi? Trop de slogans, on ne sait pas de quoi on parle. La Bible dit dans Actes 9, verset 1, que Paul respirait la menace et le meurtre contre les disciples. Vous entendez? Vous avez vu ça, non? On respire combien de fois? Quand on cesse de respirer, qu'est-ce qui se passe? On meurt, n'est-ce pas? À un certain niveau de sa vie, tant que Paul vivait, qu'est-ce qui se passait? Quand il fait... Parce que la respiration est faite de l'expiration et de l'inspiration. N'est-ce pas? Hein? Il inspire la menace, il expire le meurtre. Ou vice-versa. Donc, tant qu'il était en vie, l'église était en danger. N'est-ce pas? Comment Dieu peut prendre une telle personne? Le plus grand ennemi de l'Église, pour faire de lui la plus grande bénédiction de l'Église après Jésus. Dites-moi, dans l'Église, qui aurait pu parier qu'une telle personne deviendrait le plus grand allié des disciples? Qui aurait pu parier ça? Qui aurait pu imaginer ça? Si c'était dans l'église d'aujourd'hui, les chrétiens exerceraient leur foi. Pour compléter la phrase. Hein? Envoyer le feu, oui. Imaginez, écoutez-moi. Vous savez ce qui se passait à chaque fois que les chrétiens priaient dans Acte 2, dans Acte 4. Il y avait des tremblements de terre, n'est-ce pas? Parce qu'ils se basaient sur Matthieu 18. Lorsque deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque. Parce que là, quand... lorsque deux ou trois sont ensemble, je suis au milieu de... Ils en étaient conscients. S'ils avaient demandé la mort de Paul, il tuait en même temps 70% du Nouveau Testament. Paul serait parti avec ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Faites attention, hein? Vous m'entendez? La grâce, le message de la grâce, c'est le meilleur moyen de connaître Dieu et de comprendre ses voies. Ce n'est pas la loi. La loi n'a pas réussi à vaincre le règne de la mort. N'est-ce pas? La loi a été donnée par Moïse, mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La loi était là.
mais elle n'était pas suffisamment puissante pour arrêter le règne de la mort. Est-ce que tu constates une mort quelque part dans ta vie? La solution, c'est la grâce. Amen. Tu m'entends? J'ai suivi durant la semaine un message qui m'a beaucoup béni. Le Saint-Esprit est comme ça. Quand il veut que tu apprennes quelque chose, il s'arrange pour que ce message te parvienne. Et ce message m'est parvenu de manière étrange. Et je l'ai écouté. Et le prédicateur disait qu'il a pris ce passage où David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il dit, le problème aujourd'hui, ce qui fait que les gens ne progressent pas, parce qu'un marchepied est là pour t'amener plus haut, ce qui fait que les gens ne progressent pas dans leur vie, c'est que ils ont trop d'amis. Et ils vivent de manière à en avoir zéro ennemi. J'attends pour que tu réfléchisses. Ou bien, quand une inimitié se déclenche, ils exercent leur foi pour que ça s'arrête. Alors que Jésus a appris à se reposer à la droite du Père et laisser le sort de ses ennemis à la merci du Père. Assieds-toi simplement et attends jusqu'à ce que. C'est comme ça que quand Judas est venu le trahir dans le jardin, il l'a embrassé. Mon ami, est-ce avec un baiser que tu me trahis? Il l'a embrassé. En tout cas, si tu veux progresser, tu ne peux pas échapper à ça. Quand l'ennemi veut arrêter quelqu'un, il va déclencher beaucoup d'adversité. Mais nous devons avoir un cœur rempli de grâce pour continuer à avancer malgré l'adversité. Alléluia. Le plus grand adversaire de l'Église a fini par devenir son plus grand allié et même son plus grand défenseur, l'apôtre Paul. Comment? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Paul dit, écoutez, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et j'ai pu faire ce que j'ai pu faire encore par la grâce de Dieu. Donc la grâce affecte ce que nous sommes. Et la grâce affecte ce que nous faisons. Il y a deux dimensions de la grâce durant tout ce mois, parce que pour apprendre à régner dans cette vie, nous devons recevoir abondamment la grâce de Dieu et le don de sa justice. Nous devons comprendre ces concepts. La grâce de Dieu, la grâce dans la parole de Dieu veut dire deux choses. Premièrement, c'est une faveur imméritée. Deuxièmement, c'est une capacité surnaturelle. La grâce n'est pas qu'une faveur, elle est aussi une capacité. Par la grâce, je suis ce que je suis. Et par la grâce, j'ai travaillé plus que eux tous. Par la grâce. Plus tu comprends la grâce, plus tu acceptes la grâce, plus tu reçois la grâce,
plus tu seras transformé et plus tu pourras produire. Il n'y a aucun obstacle qui peut arrêter un homme ou une femme de grâce. Il n'y a aucun adversaire suffisamment puissant pour arrêter un homme ou une femme de grâce. Et le diable, c'est ça. Le diable, c'est ça. Quand il veut arrêter quelqu'un, il va juste inverser sa mentalité, le ramener dans la pensée du mérite. Parce que le mérite te pousse à être conscient de ta propre valeur et de ta propre capacité. Et le diable aime ça. Le diable aime ça. Faveur imméritée et capacité surnaturelle. Faveur imméritée et capacité surnaturelle. Alléluia. Amen. La grâce, faveur, appelle et transforme les gens de la part de Dieu. Mais la grâce, capacité, envoie et équipe les gens pour Dieu. Je recommence. La grâce, faveur, appelle et transforme les gens de la part de Dieu. Mais la grâce, capacité, envoie et équipe les gens pour Dieu. Alléluia. Quand on accepte sa grâce, on est transformé, n'est-ce pas? Et c'est le cas de la plupart d'entre nous ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, pour produire ce que Dieu a prévu pour toi, pour ratifier le programme divin qui a été écrit pour toi avant la fondation du monde, tu as encore besoin de la grâce. Amen. Amen. Alléluia. Comment expliquez-vous un jeune berger pris derrière le troupeau, le huitième de la famille, n'était même pas l'aîné. Nulle part il est écrit qu'il était guerrier. Il n'a pas appris l'art de la guerre. Ses deux frères aînés étaient des soldats. Parce qu'en 1 Samuel 17, on les a vus dans le champ de la bataille. Lui, il était derrière le troupeau. Des années plus tard, il va devenir un vaillant guerrier. Un grand roi, le plus grand roi de la terre, un grand administrateur politique, un chanteur extraordinaire. Il n'a pas fait l'école de guerre, il n'a pas fait l'école d'administration, il n'a pas été éduqué dans une famille royale. Isaïe n'était pas un roi. Il n'a pas fait l'école de Mozart, mais il est devenu un grand musicien, jusqu'à fabriquer ses propres instruments de musique. Il n'a pas appris à honorer loin de l'Éternel. Quand Saül voulait le tuer, personne ne lui a dit qu'il ne fallait pas le faire. Si un jeune berger peut quitter derrière le troupeau et s'asseoir au sommet de la plus grande nation de tous les temps, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi et moi? Quelle excuse tu peux me donner? Je n'ai pas assez de diplômes. Je ne parle pas assez bien français. Je ne connais même pas l'anglais. L'arabe, n'en parlons même pas. Tu as besoin de la grâce. Amen. Je n'ai pas assez d'argent. Tais-toi, tu as besoin de la grâce. Je n'ai pas assez de réseau. Tais-toi, tu as besoin de la grâce. Je suis black. Tais-toi. Tu as besoin de la grâce. Je suis africain, tais-toi. Tu as besoin de la grâce. Amen. Nous sommes tellement coincés, tellement limités que Dieu a du mal à nous mouvoir. Il a pris un expert religieux, Paul. Parmi les théologiens, il était parmi les plus grands. Il a été instruit à l'école
d'un des plus grands théologiens de l'époque, Gamaliel. Mais quand Christ lui est apparu, il a compris que tout ça était de la boue. Parce que c'était l'école de Moïse. Il a appris. Il a tellement connu Christ qu'il pouvait expliquer qui est Christ à ceux qui ont vécu avec lui pendant 3 ans. Et finalement, il dit, tout ça, c'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Vous le savez, n'est-ce pas? Regardez. Quand aujourd'hui, une grande institution ou bien une personne qui a les moyens a un projet, n'est-ce pas? Par exemple, de construire une villa. Il va aller vers qui? Vers les architectes, les ingénieurs qui en ont déjà la capacité, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va aller à l'école d'ingénieurs, vers ceux qui sont en train d'apprendre pour devenir ingénieurs? S'il mise sur ce jeune homme qui est en première année, et que finalement ce jeune homme échoue en troisième année, et il ne sera jamais ingénieur, donc il ne pourra jamais atteindre son projet. Donc, dans ce monde, quand on veut faire quelque chose, on va vers les gens qui sont déjà capables. N'est-ce pas? Alors quand Dieu a écrit ton histoire, ainsi que la mienne, déjà tu n'existais pas. N'est-ce pas? Tes parents n'existaient pas. Ton pays n'existait pas. La science que tu devais apprendre n'existait pas. Dieu comptait sur quoi? Il ne comptait pas sur nous. Il comptait sur lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi moi je suis pasteur et pas toi? Pourquoi c'est moi qui parle aujourd'hui et pas toi? Je ne sais pas. Oui, on pourrait dire oui parce que j'ai peut-être été sérieux dans ma vie chrétienne. Peut-être, supposons. Supposons. Mais Dieu n'a pas décidé que je sois pasteur quand j'ai commencé à prendre au sérieux ma vie chrétienne. Quand il a décidé que j'allais être ce que je suis, toi et moi, nous n'existions pas. Toi et moi, nous n'avions fait ni bien, ni mal. Donc, il ne comptait pas sur notre mérite. Donc, si je viens vous dire aujourd'hui, je suis là où je suis parce que j'ai échoué. Et je vous induis en erreur. Parce que je le suis, parce que c'était décidé avant. Avant que je n'ai rien fait. Avant qu'aucune condition ne soit réunie. Dieu regardait à quoi? À lui-même. Alors si aujourd'hui Dieu me dit de faire ceci ou bien d'être comme cela. Et que je lui dis, Seigneur, je manque de ceci, je manque de cela. Je suis un insensé. Parce que quand il avait prévu que je le sois. Ce dont j'aurais eu besoin n'existait pas encore. Oui, le message de la grâce est tellement important parce qu'il enlève à l'homme tout mérite et toute capacité. Et donc, il le met à l'abri de l'orgueil. Pas seulement de l'orgueil, mais aussi de l'échec. Alléluia. Amen. Papa nous enseignait, il a dit ceci. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit ceci. Il a dit, personne ne peut mériter la grâce. C'est normal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça, on est d'accord, hein? Et il a poursuivi, dit, personne non plus ne peut être indigne de la grâce. Vous voyez ça? Dans les deux sens.
Personne ne peut dire à Dieu, je ne le mérite pas. Dieu dit, oui, je le sais. Mais personne non plus va dire, j'en suis digne. Pourquoi? Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Même le péché n'est pas une excuse pour entrer dans la grâce. Aucun péché, aucune faiblesse ne peut être une excuse. Parce que la grâce sera toujours plus forte que le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut relire ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Hier, j'étais en train de méditer. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, lis le chapitre 5 en entier. Je dis, d'accord Seigneur. Je l'ai lu. Il m'a dit, lis le chapitre 5 en entier 5 fois. Et à chaque fois que je lisais, ça s'éclairait. À la troisième fois, j'étais tellement béni. J'ai commencé à écrire. Ça, c'est des choses, c'est pas une prédication, hein? Ça, c'est pour moi-même. J'étais plein. J'ai rendu grâce à Dieu et puis la chair m'a dit, bon, va marcher un peu pour t'aérer l'esprit. J'ai fermé ma Bible, j'ai pris le manteau pour aller marcher. Quand je cherchais la clé pour ouvrir la porte, l'Esprit m'a dit, je t'avais dit 5 fois. Tu as lu combien? J'ai dit 3 fois. C'est là où j'ai compris que le besoin d'aller me détendre venait de la chair. J'ai enlevé mon manteau et puis je lui ai dit, pour te punir, je ne sortirai même plus. Et c'est ce que je fis. J'ai lu la quatrième fois et waouh! Pourquoi je n'avais pas vu ça? Je ne l'ai pas vu, mais je sentais, tu sais, quand quelqu'un est à côté de toi qui sourit, comme si le Seigneur était là et qui souriait, je dis, à cause de ça, je vais lire la cinquième fois. J'étais sûr qu'à la cinquième lecture, je n'apprendrai plus rien. Je lis encore, waouh! Écoute, quand on dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Et les gens réagissent. Donc, si le péché abonde, et que la grâce surabonde. D'accord? Si tu veux expérimenter une plus grande grâce, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois pécher davantage, n'est-ce pas? Et Paul répond à ces faux raisonneurs. Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Loin de là. Il est en train de dire, attention, il ferme cette porte-là. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc l'explication de Romains 5, 21, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, se trouve en haut. Il dit, la condamnation est venue après quoi? Une seule offense. Écoutez, Adam a fauté une seule fois. Et il était foutu pour toujours. Nous nous sommes justifiés après combien de fautes? Après combien de fautes? C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de parler de la supériorité de la grâce par rapport à la loi qui ne peut pas vaincre le péché. Il ne parle pas du nombre de péchés, mais du nombre de la grâce. Il n'est pas en train de dire, là où il y a 10 péchés, il y aura 11 grâces. C'est un langage spirituel. Mais il est en train de dire, ne te permets pas de ne pas recevoir la grâce parce que soi-disant tes péchés sont grands ou bien qu'ils sont trop graves.
Parce que pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Mais pour régner dans cette vie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question de recevoir. Imaginez si Paul avait dit, « Tu me connais, Seigneur, je respirais la menace et le meurtre. Le plus grand des cadeaux que tu puisses me donner, c'est simplement de me pardonner de mes péchés. Mais apôtre, j'en suis pas digne. » Ce serait juste? Non. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si Dieu avait dit à Rahab, tu sais, j'ai prévu que tu sois l'arrière-grand-mère du Messie, et que Rahab lui dit, Seigneur, moi je suis une prostituée. Choisis une jeune fille normale. Elle serait passée à côté, n'est-ce pas? Regarde, ceux qui célèbrent Marie, les gens célèbrent Marie, la maman de Jésus, parce qu'elle était vierge. Mais elle n'était pas la seule vierge en Israël. N'est-ce pas? Elle n'était pas la seule. Pourquoi le choix est tombé sur elle? Vous l'entendez dans sa prière. Quand j'étais de l'autre côté, on appelait ça le Magnificat. La fameuse prière de Marie. Le Magnificat. Bon, comme vous n'avez pas été de ce côté-là, alors on va lire. Vous me regardez comme ça. Vous ne connaissez pas ça. Les protestants, on a tellement critiqué Marie que vous passez à côté de beaucoup de choses. Marie est une bonne dame. La première personne qui a cru en Jésus, c'est Marie. C'est elle qui a dit, faites ce qu'il vous dira. Marie est une dame extraordinaire. Extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Marie est au ciel. Amen. L'idole dont on parle, ce n'est pas notre mari dans la Bible. D'accord? Arrêtez d'avoir peur de Marie. Hein? J'entends des gens dire sans effet ici. Non, avec effet. Avec effet. Au nom de Jésus. Avec effet même. Avec beaucoup d'effet même. Marie était une jeune fille vierge, comme plusieurs jeunes filles en Israël. Mais elle avait la foi en la parole de Dieu. Amen. Contrairement aux autres. Vous comprenez? Alors, où est le Magnificat? Voici un ancien du grand séminaire. Ton passé a été purifié pour devenir utile. 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'excellence de sa servante. Sur l'excellence de la servante. Immaculée Conception. Vous savez même pas ce que c'est Immaculée Conception. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde. N'est-ce pas? Donc vous voyez, elle ne se vante pas. Elle ne se vante pas. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 1. Verset 30. L'ange lui dit. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui? Toi qui mérites de porter le Fils de Dieu, qu'est-ce qui lui a été fait? C'était une grâce.
Alléluia. Amen. Vous rendez-vous compte, portez dans ton ventre Dieu, le Fils de Dieu. C'était une grâce. Avoir cette capacité surnaturelle de concevoir sans l'aide d'un homme, c'était une grâce. La grâce a fait de Paul ce qu'il a été, n'est-ce pas? La grâce l'a aidé à accomplir ce qu'il a accompli. La grâce a fait de Marie ce qu'elle a été. La grâce l'a aidé à accomplir ce qu'elle a accompli. La grâce et la grâce et la grâce. Qu'est-ce que la grâce ne peut pas faire dans ta vie? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Alors, abandonne la mentalité du mérite. Amen. Tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Chaque fois que je me tiens ici, ou que je me tiens partout pour parler, c'est la grâce. Je ne suis pas un bon parleur, je n'ai pas la capacité. Si vous étiez Dieu et que vous regardiez les jeunes gens pour chercher un prédicateur, c'est sûr, humainement, ce n'est pas moi que vous aurez choisi. Je ne remplissais aucune condition préalable. Mais la grâce, c'est elle qui te place là où tu dois être. Amen. Et qui te donne la capacité de faire ce que Dieu veut que tu fasses. La grâce. Alléluia. Amen. La grâce, elle est puissante. Amen. Amen. Elle est puissante, la grâce. C'est la méthode préférée de Dieu. Amen. La grâce. Avec la foi. C'est un couple extraordinaire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. La foi, c'est nous qui croyons en Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui décide tout seul. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi, je crois, je reçois. Mais le programme et l'équipement est décidé souverainement par grâce. Alléluia. Amen. Dieu ne donne pas un ministère de chant parce que quelqu'un sait bien chanter. Mais c'est la grâce qui fera qu'il saura bien chanter. Amen. Vous m'entendez? Dieu ne regarde pas ce dont on est capable pour nous confier une mission. Il regarde en lui-même. C'est la première ligne de mon message, mais je n'avance pas. Et ça ne sert à rien de courir. C'est très important. Vous allez voir, tout est fait dans ce monde pour que nous soyons loin de la grâce. Tout se mérite dans ce monde. Tout s'achète. Tout se mérite. Même les amitiés sont intéressées. Les bonnes relations sont intéressées. Et quand on échappe à ça, on a beau être sauvé, mais régner dans cette vie va être quelque chose de difficile. Mais Dieu veut qu'on règne. Amen. Alléluia. Qu'on apprenne à régner. Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux vous dire dans la suite? Regardons Romains 5, 17. Regardons-le. Regardons-le. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils où? Dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Qui nous aide à régner? Jésus, lui seul, comme, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il attend de nous pour qu'il nous aide à régner? Recevoir abondamment sa grâce, n'est-ce pas? C'est ça qu'il attend de nous. C'est important de comprendre ça. Une seule personne peut nous aider à régner, c'est qui? Une seule personne. Je dis une seule personne. Il n'y en a pas deux. Parce que le monde entier est sous le règne de la mort. Une seule personne peut nous aider à régner, c'est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Ne vous fatiguez pas de mes questions. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Recevoir simplement, n'est-ce pas? Recevoir, mes amis. Recevoir, cela veut dire quoi? Tout le travail est du côté de celui qui donne. Toute la richesse est du côté de celui qui donne. Toute la force est du côté de celui qui donne. Toute la provision est du côté de celui qui donne. Mon travail à moi, c'est de... Ok? Mon travail à moi, c'est de recevoir. Maintenant, je recommence. Qui est le seul qui puisse nous aider à régner? Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Sa grâce. Abondamment, n'est-ce pas? Ok, c'est bien. Maintenant, où veut-il que nous régnions? Répondez avec la parole de Dieu. Dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut que nous soyons des rois dans la vie. Vous avez vu, non? Dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. Domine. C'est ce mot-là qui peut être traduit par règne. Dieu a créé l'homme à son image afin qu'il règne. Ok? Et quand Jésus est venu, Esaïe nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Il a retrouvé, il est venu avec ce qu'Adam avait perdu. Dominer, régner, dominer. Et l'anglais a bien, n'a pas perdu ce mot. Par exemple, un royaume, ce que nous appelons un royaume en français, en anglais on appelle ça un kingdom. King c'est le roi, dom, domaine, domination. Donc le kingdom, c'est le domaine où le roi règne. Ok, regardez. Que Dieu bénisse sa majesté. Amen. Quand sa majesté quitte ce pays, où qu'il aille, on l'accueille en roi, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. On l'accueille en roi. Quand, s'il est reçu en France, il ne part pas régner en France. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mais on l'accueille en roi parce qu'il règne sur le Maroc. N'est-ce pas? Si tu règnes là où tu dois régner, partout ailleurs, on t'accueillera en tant que tel. Amen. Et suivez ça, ça c'est très important. C'est très important. Mais qu'est-ce que les gens veulent faire? Ils ne règnent pas là où ils doivent régner et ils veulent être accueillis comme roi ailleurs. Alors que là où ils sont, ils ne règnent pas.
Donc, ils veulent imposer leur position de roi. Alors que ce n'est pas quelque chose qui s'impose, ça se reconnaît. Ok? Amen. Vous savez, il y a quelques années, un roi est allé dans un pays démocratique et il s'est rendu compte que le président a envoyé le premier ministre pour l'accueillir. Il a refusé de sortir de l'avion parce qu'il sait qui il est. Ça a créé un incident du protocole et le président a dû venir. Il faut que le roi sorte. Il sait qui il est. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette force? C'est parce que là où il devait régner, il régnait vraiment. Vous m'entendez? Je ne vais pas trop expliquer ça pour vous laisser sur votre faim. Tu dois régner où? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu dois régner où? Donc, si tu règnes sur les affaires, c'est bien. Ok? Hein? C'est bien. Si tu règnes sur le sport, c'est bien. Si tu règnes dans les arts, c'est bien. Si tu règnes sur les gens, c'est bien. N'est-ce pas? Mais ce que Jésus, le règne que Jésus seul peut te donner, c'est lequel? Et vous voyez, parce que les gens ont échoué sur ça, ils veulent se valoriser en dominant sur les autres. Vous voyez que la royauté qu'on prêche à l'église aujourd'hui, elle est fausse. N'est-ce pas? Quelqu'un me disait, Dieu a dit que nous sommes des rois, donc nous devons avoir des jets privés. Tu peux avoir des jets privés sans régner dans la vie. N'est-ce pas? Écoutez, si la domination que Dieu a donnée à l'homme était d'avoir un jet privé, c'est que Adam n'avait pas reçu de domination. Il faut tous les jours revenir à Genèse 1 et 2 et te poser la question, qu'est-ce que Dieu avait donné à Adam? Parce que nous savons qu'Adam a perdu ça après le péché, n'est-ce pas? Ce sont les vraies choses que nous avons perdues. Les choses qui sont mentionnées dans Genèse 1 et 2. Et qu'est-ce qui a fait que Adam a perdu son règne? C'est le péché, n'est-ce pas? L'offense d'un seul. Vous avez vu ça? L'offense d'un seul. Ok? Qui peut prétendre régner s'il vit dans la défaite intérieurement? S'il sait que le péché le domine et les gens ne savent pas. D'accord? S'il est vraiment honnête, a-t-il le droit de prétendre qu'il règne? Parce que la mort règne sur les hommes comment? La mort est entrée à travers le péché. L'offense, n'est-ce pas? L'offense. Vous m'entendez? Le péché permet à la mort de dominer sur les gens. Ok? Donc, si on doit régner dans la vie, on est supposé triompher du péché. Alléluia! Est-ce que vous me suivez? C'est de ça dont il est question. Oui, nous croyons.
croyons que Dieu pourvoit tous nos besoins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous croyons que Dieu nous bénit et il nous bénira toujours davantage. Ok? Mais ce n'est pas ça qui est la preuve que l'on règne. Ok? Nous croyons que Dieu nous donne sa puissance, son autorité sur les démons et consorts. Mais ce n'est pas ça qui est la preuve que l'on règne. Ton règne, c'est dans la vie. Et dans cette vie, c'est aujourd'hui et tous les jours, pas la vie de quelqu'un d'autre, la tienne. Amen. Alléluia. Amen. Recevoir l'abondance ou la grâce et le don de sa justice, c'est le don de sa justice. Écoutez-moi, la loi est venue pour condamner le péché, n'est-ce pas? Jésus n'est pas venu pour condamner le péché. On sait déjà que c'est mal. D'accord? Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le ministère d'affranchissement de la vérité vient après le ministère de la grâce. Je parle de choses qui te concernent et qui me concernent. Alléluia. Regardez, ce qui fait que dans certains domaines dans nos vies, nous restons encore esclaves. Parce que 2 Pierre 2, 19 dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ok? Oui. Ce qui fait que dans nos vies, nous sommes encore esclaves quelque part, c'est parce que nous ne connaissons pas la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Alléluia. Mon travail à moi, c'est de connaître la vérité. Après, une fois que j'ai connu la vérité, c'est la vérité qui s'occupe de m'affranchir. Ce n'est pas moi qui m'affranchis moi-même. Ok? Mais le ministère de délivrance, si je puis parler ainsi, délivrance entre guillemets, de délivrance de la vérité, vient après le ministère de la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je dois reconnaître mon état de péché et ne pas permettre à cet état de me persuader que c'est trop tellement grand que Dieu ne puisse rien faire. Au contraire, la grâce dit, tu ne le mérites pas, non? Donc tu es préparé pour le recevoir. Amen. Vous m'entendez? Donc, la compréhension de la grâce, c'est la première chose que Dieu demande pour que Jésus nous donne le règne dans la vie. Et tu ne règnes pas sur les autres, hein? Tu règnes dans ta vie. Ton kingdom, c'est ta vie. Alléluia. Et quand tu règnes dans ton kingdom, quand tu sors de ton kingdom, tu vas dans les vies des autres. Ils te reçoivent comme un roi. Ils t'honorent. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Tu ne vas pas t'imposer chez les gens. Je dis tout le temps au pasteur, ne vous perdez pas votre temps à vouloir donner des conseils à quelqu'un qui n'a pas demandé. Je leur dis ça. C'est quelque chose que j'ai appris. Parce que la compassion peut te donner un élan de vouloir conseiller. J'ai appris. Écoutez, l'homme, tant que l'homme n'a pas demandé, ce que tu as à faire, c'est de prier pour lui. Parce qu'il risque de te dire, mais qui es-tu? Pour qui tu te prends? Parce que c'est son kingdom. Il dit, ne viens pas régner dans ma vie. Demande à Dieu, ton Seigneur, même ton Seigneur là, je lui ai dit, ce sont mes affaires. D'accord? Quelqu'un qui connaît, Jésus lui a dit ça. Il a dit, moi je veux faire ça. Il a dit non à Jésus, ton Seigneur. Et toi, parce que tu es pasteur, hein, tu veux venir t'imposer. Mais il faut être insensé. Par contre, plus tu règnes dans ta vie,
plus on te reconnaît dans la vie des autres. En réalité, qu'est-ce que nous devons faire? Chacun doit s'occuper de lui-même. Plus tu t'occupes de toi, plus les gens recourent à toi. Je recommence. Plus tu t'occupes de toi, plus les gens recourent à toi. Tu comprends ça? Parce que quelqu'un qui est esclave de l'alcool, quand vous lui dites qu'il ne faut pas boire, il vous dit, dites-moi où c'est écrit qu'il ne faut pas boire. Mais quand il rentre, il est malheureux parce que nous, Dieu a mis en nous ce sentiment de liberté. Qui voudrait être en prison? Qui lève la main? Personne, n'est-ce pas? Parce que Dieu a inscrit ça en nous. Il nous a créés pour dominer et pas pour être dominé. Personne n'est dominé. Donc, je reprends mon exemple. Alors, la personne qui croupit sous l'esclavage de l'alcool, elle sait que c'est mal. Ne suis pas ses propos. Pourquoi il te dit, montre-moi un verset. Même si elle n'avait jamais lu la Bible, elle saurait toujours que c'est mal. Ou bien je me trompe. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche un ancien alcoolique comme lui, qui est devenu sobre. Vous entendez ça? Parce qu'elle sait que cette personne est crédible pour lui parler. J'oublierai jamais, quand j'étais en première année à la fac, je me suis lié d'amitié avec le seul chrétien dans notre milieu. Et on parlait beaucoup de la parole de Dieu. Et un jour, un débat s'est levé parmi nous. Vous savez, à l'époque, j'étais immature, donc je pensais pouvoir tout résoudre. Alors j'étais en train de dire aux gens que, voilà, l'alcool est... Non, j'étais en train de dire, la Bible ne condamne pas le fait de boire, mais condamne le fait l'excès. Et c'est vrai. À la fin, mon ami chrétien m'a appelé, il m'a dit, Doudou, ça se voit que tu n'as jamais bu dans ta vie. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, les gens ne boivent pas pour rester normal. Quelqu'un qui boit vraiment, il cherche quelque chose. Il veut arriver à un état quelque part. Donc, tu parles des choses que tu ne connais pas. La prochaine fois, laisse-moi parler avec eux. Et quand il a parlé avec eux, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il n'était pas question de boire ou pas. Il était question de dire plutôt que on ne peut pas s'en sortir. Et moi, je n'étais pas qualifié pour leur dire qu'on ne peut pas s'en sortir parce que je n'étais pas dedans avant. Je ne suis jamais sorti de là. Mais lui, il était dedans, il était sorti. Quand il a maintenant témoigné, l'atmosphère a changé. Et l'un d'entre eux, le plus violent, a dit non, c'est faux. Tu n'étais pas ivrogne. Parce que, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il fait face à lui-même maintenant. Parce qu'il est en train de dire, si c'est vraiment vrai, donc je n'ai plus d'excuses. C'est ça la vie, hein? Alléluia. Alors, vous savez, il y a des terrains de défaite divers dans la vie. La grâce de Dieu qui agit dans ta vie et qui t'a triomphé de là veut faire de toi un témoignage pour ceux qui sont encore dedans. C'est tout. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire durant ce mois? C'est de s'asseoir et de dire, je suis esclave ici, dans ma vie. Je suis esclave ici, dans ma vie. Je ne veux pas me contenter de scander que je suis un roi. Ça ne sert à rien. Je veux résoudre mon problème là. Une fois que je l'ai résolu, Dieu se servira de moi pour aider les autres. Alléluia. Non, je vous ai dit que le ministère de la grâce vient avant celui de la vérité, n'est-ce pas?
Et qu'est-ce que la grâce fait? Lisons, on va simplement lire. On va lire deux versets et nous allons nous préparer à la suite. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez, elle a d'abord été manifestée. Jésus est venu avec la grâce. C'est comme ça que la grâce a été manifestée. Ensuite, quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle enseigne ça. Vous m'entendez? Elle enseigne ça. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre quoi? Arrêtons, non, on continuera. On s'arrête à l'impiété. Parce qu'on a vu qu'elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Vous pouvez aller étudier après en semaine, mais arrêtons-nous là. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Pourquoi? Parce que quiconque n'y renonce pas tombera sous le joug de quoi? Tombera sous le joug de quoi? De la colère de Dieu. La grâce enseigne ça. Elle nous enseigne à renoncer. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire que renoncer? Ça veut dire quoi renoncer? Ça veut dire que cette chose n'a pas de pouvoir sur toi. C'est toi qui as la décision. Est-ce que tu entends ça? Elle ne parle pas de divorcer, parce qu'il faut la décision des deux camps, pas de renoncer. Cette chose est là, parce que c'est toi qui le veux. Tu le veux, elle reste. Tu renonces, elle s'en va. La grâce enseigne ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime tel que tu es? Parce qu'il n'attend pas que tu mérites, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'amener à faire tout ce qu'il a prévu? Est-ce que tu le crois? Alors rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Parce qu'il n'attend pas que tu deviennes meilleur. Il t'aime tel que tu es. Rends-lui grâce. Et il n'attend pas que tu deviennes capable. Parce que c'est à lui de t'équiper et de te rendre capable. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Après les actions de grâce, je voudrais que nous nous repentions. De notre ignorance de la grâce et de toutes les fois où nous avons douté qu'il pouvait faire quelque chose avec nous. Parce que nous avons trop regardé à nous-mêmes, à ce qu'il y a autour de nous et pas suffisamment à la grâce de Dieu. Nous avons trop regardé à nos passés et pas suffisamment à notre destinée en Christ. Parfois, nous nous sommes même appuyés sur nos valeurs, entre guillemets, sur nos mérites, entre guillemets. Ça aussi, ça devient un obstacle. Marie a su tout de suite que ce choix était une grâce. Elle n'avait aucun mérite.
mais aussi elle n'a pas pensé qu'elle en était indigne pour refuser d'entrer dans le plan de Dieu. Elle a pris la bonne décision parce qu'elle connaissait la grâce de Dieu. Seigneur, pardonne-nous malgré notre foi et nos années dans la foi. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas compris la grâce, où nous avons voulu nous battre par nous-mêmes pour arriver à certains résultats, où nous avons refusé à avancer dans ce que tu nous demandes de faire parce que nous nous sentions incapables. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas toujours regardé à toi et à toi seul. À toi seul. À toi seul. Mon dernier sujet de prière ce matin, c'est que Dieu nous a montré que notre kingdom, le royaume de chacun, c'est sa propre vie. Ce n'est pas d'abord ce que nous faisons à l'extérieur, ce que nous accumulons, ce que nous accomplissons. C'est d'abord ma propre vie. Alors tu vas dire au Seigneur, que tu es prêt maintenant à recevoir abondamment sa grâce. Pour permettre à Jésus de t'aider à régner dans ta vie, à vaincre tous les domaines où tu es esclave. Tu es prêt à recevoir l'enseignement de la grâce pour renoncer à toute impiété. Parle au Seigneur pour toi-même. Parlons au Seigneur. Quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la suite. Imaginez si chacun règne. Dans sa vie. Quelle bénédiction nous deviendrons pour la vie des uns et des autres. Pour la vie de notre prochain. Quelle bénédiction. Le Seigneur nous montre le chemin. Il nous montre le chemin. Tu nous montres le chemin. Nous ne sommes qu'au premier pas, mais nous sommes prêts à apprendre. Nous sommes prêts à apprendre. Nous sommes prêts à apprendre. Dans le nom de Jésus. Père, je te remercie pour ton amour et pour ta grâce. Au nom de Jésus, je me lève contre tous les mensonges de l'ennemi, contre tous les obstacles qui sont dans ce monde et autour de nous tous les jours, qui empêchent à certains de recevoir et à d'autres de recevoir abondamment. Quelle que soit notre expérience, garde-nous dans l'humilité pour que nous continuions à apprendre. Je te remercie pour la puissance de ta parole qui est la vérité. Et elle va vraiment nous affranchir et nous aider à vivre ce qu'elle dit. Et il en sera ainsi. Au nom de Jésus, nous te remercions et nous te rendons grâce. Donc nous allons continuer dans cet esprit et même le séminaire de la Pâque servira à nous montrer comment la puissance de la résurrection va nous aider à recevoir abondamment la grâce de Dieu afin que nous régnions dans cette vie. Alléluia.